Rebonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique, bien sûr, l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes dans votre émission préférée, Fafa. Alors, on a décidé de changer le décor afin de mettre les invités à l'aise, afin que le Guéré soit plus dangereux et plus agressif. Alors, reconnaissez toujours à sa même place votre M serviteur, Serge De Fallet, la légende que je suis. En compagnie de la charmante et la célébritisme, aujourd'hui habillée en tenue de militaire, elle savant guerre, la... Yumi. Bonjour De Fallet. Yumi, c'est comment tu as bien trié là-bas? Ouais, je suis très armée aujourd'hui, tranquillement. Voilà, parce que notre invité risque d'être arrêté. Ah, aujourd'hui, voilà. C'est les obus, tu as tiré. Hein? C'est des missiles MFAFA 2024. Ah, ça va chauffer. Hein? Alors aujourd'hui, nous avons quelqu'un comme invité. Bon, il fait pas mal l'actualité par moment sur les réseaux sociaux. Nous ne savons pas tellement dans quelle catégorie on peut le situer, mais je pense qu'à travers cette interview, nous en saurons un peu plus sur réellement la position dans laquelle on peut le mettre. C'est un enjailleur et il est beaucoup suivi sur la toile et très apprécié. Il donne son point de vue aussi par moment sur l'actualité, sur les faits des sociétés. Nous recevons aujourd'hui dans notre émission Fafa Mo l'enjailleur. On dit Mo l'enjailleur. Bon, comment tu enjailles? Je comprends Mo l'enjailleur. Mais est-ce que tu as besoin de montrer comment tu enchaînes? Va regarder ma vidéo, tu vas voir. Voilà, c'est-à-dire que toi-même, là, tu dis... Ma soeur dit qu'elle est prête à son missile M2024, là. Oui. Tu es prête pour ça? Ah, mais c'est la question que j'allais vous poser. On va exposer avec ça ensemble ici. Ah, ouais. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Mo l'enjailleur, ça sort d'où? Comment est venu ce pseudonyme? Moi, déjà, à la base, mon prénom, c'est Mahmoud. Mahmoud. Voilà. Mahmoud, ok. Mais... mes amis m'appelaient toujours Mo pour éviter de dire Mahmoud, c'est un peu trop long. Oui. Donc, c'est resté Mo sur moi. Mo l'enjailleur. Alors donc, du coup, ton Mahmoud, on va dire originaire d'où? Du Liban. Du Liban, d'accord. Et depuis combien de temps en Côte d'Ivoire? Je suis né ici. Waouh, donc Mo, tu es un Ivoirien. Bon, ça se discute plus. Hein. Je suis né, tu as la nationalité? Oui. Ah, tu as la nationalité ivoirienne? Je suis ivoirien. Ça manger des garbattes, il va pas avoir. C'est manger des... Tu as répondu à ma place. Tu disais que tout à l'heure, ce qui s'est passé, oui. Mo arrive à la télé. Mm-hmm. Donc, il me trouve en train de manger un shawarma. J'ai dit, ah, Mo, je t'ai vu de manger un shawarma. Il dit, ah, mon cher, moi, je viens de manger mon kidjenou tout à l'heure. Kidjenou de poisson. Kidjenou de poisson, bien pimenté. Piment sorcier. Tu connais? Piment sorcier. Ah, allez, là, les esprits, ils sont avec toi. Et ça, il te dit, est-ce que tu es prêt à exploser ensemble à ça? Quoi, c'est ça? En parlant un peu de toi, j'ai dit, à part tes mouvements de TikTok, tu as une autre activité? Si, bien évidemment. Laquelle? Je gère une maison d'hôte. D'accord. En zone 4. Ok. Et puis ça va tranquillement. Je fais un peu de business à gauche, à droite. À gauche, à droite. Alors, mais en parlant de TikTok, moi je dirais, Yumi, Mo, est-ce qu'on peut te définir comme un TikToker, un influenceur, un blogueur ou un artiste chanteur? Bon, moi j'avais commencé au départ, c'était TikToker. D'accord. Après, je suis allé sur un peu des vidéos comiques sur Facebook. Donc, on est passé sur Web Humoriste. Ok. Et là, maintenant, je suis passé sur autre chose où je donne mon avis, comme tu viens de le signaler. Mais Mo, est-ce que tu te cherches pas un peu trop? Tu t'agrippes à toutes les branches, c'est quoi? Mon gars, on est né pour se chercher. Si on se cherche pas, on va faire comment? Mais je cherche à ma place. Mais apprends un peu, c'est un peu du copiatage, si je peux dire de ça. Qui? Parce que, de toi. Parce qu'au départ, on te voyait dans les vidéos hilarantes. Mais après! Changement de cadence, tu commences à faire la vidéo un peu comme Eunice, comme ça. Alors bon, peut-être de l'autre côté, il n'y avait pas assez de rentabilité sur TikTok. Non, Sarah et Eunice, j'ai jamais fait pareil qu'eux. Si, parce que tu donnes un peu, c'est-à-dire que tu t'es rallié, tu as laissé un peu TikTok, tu es venu sur Facebook. Alors que tu étais plus sur TikTok que sur Facebook. J'étais sur TikTok et Facebook aussi. Je partageais mes vidéos TikTok sur Facebook. Non, mais tu étais plus là-bas. Ces vidéos de là-bas, là, tu envoyais ici. C'est ce que j'explique. Non, mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas, tu es venu ici? J'ai eu envie. Pourquoi? Mais l'argent n'était pas suffisant. Donc, c'est l'argent. Bon, sur TikTok, là, tu rentabilises combien sur TikTok en vidéo? Par vidéo. Est-ce que moi, je te demande, toi, tu rentabilises comment dans ton travail? Moi, c'est pas moi l'invité aujourd'hui, c'est toi. Moi, je te dis pas ça, c'est personnel. TikTok, pourquoi? Qui paye quoi dans TikTok? Pourquoi? Parce que tu as eu à dire que lui, il gagne à peu près dans les 5-8 000 euros. Donc, toi, c'est à peu près combien? C'est un boss. Est-ce que moi, j'ai le même truc que mec? Non, toi, tu n'as rien, quoi. Non, moi, je n'ai rien. Attends, avec tout le nombre de vidéos que tu as, le nombre de vues, tu peux avoir aussi les 8 000 euros aussi. Bon, parfois, on peut arriver à ça, parfois moins, ça dépend. Ah, donc, tu ne veux pas nous dire, donc, tu peux arriver à ça? Mais je me dis que c'est un truc personnel, c'est pas un truc que je vais venir mettre sur Facebook. Mais tu t'en sors pas mal financièrement avec ces vidéos? Bien évidemment, oui. Pas forcément à cause des vidéos, je m'en sors pas mal déjà dans la vie normale. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un plus. Plus. Pour arriver jusqu'où? Pour arriver là où Dieu veut que j'arrive. Parce que c'est pas Dieu qui t'a demandé de t'habiller en femme pour faire les vidéos sur TikTok. Mais est-ce que tu me vois m'habiller en femme encore sur TikTok? Parce que ça me fatiguait. TikTok, là, ça prend trop de temps. 2-3 heures pour une vidéo de 15,
15-30 secondes, oui. Mm-hmm. Attendez. Mm-hmm. Ah ouais, parce que qui tu fuyais? Hein? Qui tu fuyais? Personne. Après, il y a eu pas mal de personnes qui ont commencé à faire la même chose que toi. Mais et... Ah oui. Ah, j'ai donné la voix, prenez la voix là, et puis pour continuer. Mmh, donc, tu as donné la bénédiction, mes enfants, vous pouvez continuer. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans ce système-là? Ben, j'ai vu que j'étais bien quand même dans ce que je disais. D'accord. Les gens appréciaient beaucoup le fait que je fasse ce genre de vidéos. Okay. Donc, je me suis lancé dans ça. D'accord. Donc, tout comme ça, tout d'un coup, tu te lèves un matin, tu allumes ta caméra, boum, c'est bien, c'est bon. Après, comment tu choisis tes thèmes un peu avant de pouvoir donner ton avis dans tes vidéos? Je fais mes recherches sur les thèmes qui sont sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, je parle de personne qui n'est pas déjà sur les réseaux, ou bien son histoire n'est pas déjà sur les réseaux. Sur les réseaux. Et puis, j'essaie de décortiquer en allant chercher avec qui il a eu le problème, ou comment ça s'est passé. Mais par moment, tu as des prises de position aussi quand tu le fais. Oui, souvent, ça m'arrive. Ok, mais dans tes prises de position, tu n'as pas un peu peur que par moment, la personne puisse porter plainte contre toi? Non, parce que je prends une position, pas forcément en insultant la personne. Une prise de position, c'est donner son avis sur quelque chose que tu as vu qui est correct ou incorrect. Ok. Après, bon, ce qui peut sembler correct pour toi ne peut pas forcément sembler être correct bien pour la toile. Bien évidemment, même les commentaires et même ceux qui suivent, il y en a qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas. Ils ne sont pas d'accord. Comment tu fais pour tenir face aux commentaires? C'est-à-dire? Oui, souvent, il y a des commentaires qui ne sont pas d'accord avec toi, qui certainement... Je les accepte. Tu les acceptes? Oui, je les accepte. Moi, même ceux qui ne sont pas à ta faveur. Comment? Même ceux qui ne sont pas à ta faveur. L'essentiel, c'est qu'il ne déroute pas. C'est-à-dire que si on parle d'un sujet précis, on reste sur le sujet. Ok. Maintenant, si vous voulez aller sur autre chose, l'agent libanais, je ne sais pas quoi, là, vous, je vous bloque. Ah, c'est pas le sujet de la conversation. Si c'est libanais, là, il faut parler de libanais comme tu veux. Ok. Mais alors, mais par moment, t'as pas encore trop vu réagir quand il y a des soucis souvent avec, on va dire, des gens de ta communauté libanaise, quand il y a des mauvais comportements. Pourquoi tu réagis pas assez souvent dessus? En fait, je réagis pas parce que c'est un truc assez sensible. Je le sais. Mais je veux savoir parce que bon. Et je me dis que il y a un gouvernement qui est en place pour ça. Ok. Pour s'occuper de ce genre de problème. Mm-hmm. Je ne suis ni ministre, ni président, ni quoi que ce soit dans ce pays, à part un jeune Ivoiro-Libanais. Oui. Mais tu peux donner ton avis aussi. Je donne mon avis quand je pense que c'est nécessaire. Là, c'est pas nécessaire. Mais après, quand tu ne le fais pas, genre, si c'est en faveur d'un membre de ta communauté et que tu fais pas des vidéos pour donner ton avis, est-ce que tu n'as pas un peu de représailles qui viennent de la part de ta communauté? Que tu fasses ou que tu ne fasses pas, tu auras toujours des représailles des deux communautés. Parce que moi, je considère que je suis de la communauté ivoirienne et libanaise à la fois. Tout à fait. Donc, dans les deux sens, tu vas te faire allumer forcément. Donc, pour pas rentrer dans un sujet où tu vas te faire allumer, autant quitter la route et puis laisser les autres s'allumer entre là-bas. D'accord. Côté, donc, tu dis que tu te cherches. D'abord, tu es entrepreneur, tu as des business. Ensuite, on va dire que tu es vidéaste parce que tu fais aussi des vidéos et sur TikTok. Moins sur TikTok, mais plus sur Facebook. Ouais. Et tout d'un coup... Et YouTube aussi. Et YouTube. Et tout d'un coup, chanson. Mais qui a pu te mettre dans la tête que là, maintenant, il est temps de chanter, que tu pouvais chanter? En fait, je chante depuis tout petit. Ce n'est pas une nouvelle histoire. Ouais, je sais, les frères Jacques de la maternelle. Mais, non. J'ai une chanson même que j'avais faite au Liban en 2009, mais comme c'est en arabe, je la poste pas. Ah, c'est une chanson que tu avais déjà composée en 2009. Déjà même chantée tout au studio. Mais tu l'as pas postée sur YouTube, enfin pas sur YouTube, sur les différentes plateformes musicales. Ok. Mm-hmm. Mais j'ai pas fait de promo pour ça. C'était un truc que j'ai fait comme ça par amour pour la chanson. Tout d'accord. Donc c'est pas un truc nouveau. Mais je me dis que c'est la canne. On doit supporter quand même. Hein, les éléphants, permettre aux gens de penser positivement, que même si on ne souhaite pas, ils n'ont pas pris, qu'ils peuvent venir aussi pour visiter. On a un très beau pays. Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà, c'était donc, ça le but. Donc ta chanson, c'est plus de motivation touristique en fait. Tout à fait, motivation touristique, motivation pour les éléphants. J'ai même parlé de caissier, j'ai parlé de... comment il s'appelle déjà? Zaha, tout ça. Voilà, donc du coup, je pense que c'est déjà les booster un peu. Ok. Non? Bon, c'est bon. Mais tu comptes t'arrêter là juste pour la canne ou là encore, il y a une... C'est ma deuxième chanson, hein? Oui. Non, c'est ce que je dis. Là, c'est pour la canne. Après celle-là, est-ce que, on va dire quoi, tu vas plus te concentrer sur la musique et sortir d'autres opus ou c'est juste, c'est encore c'est un autre fun d'amusement? C'est une envie pour soutenir mon pays, pour soutenir la Côte d'Ivoire. Genre, tu as tellement d'argent pour aller au studio, mettre de l'investissement, des millions dans les clips, tout ça. Merci, je prie le Seigneur qu'il me donne encore pour faire encore plus. Oh, tu te laves là, il me lave aussi, pardon. Alors, Moulanger, quels sont tes rapports avec Hassan Hayek? Hassan Hayek, c'est un jeune frère. D'accord. Je l'aime bien. Ok. On a sympathisé il n'y a pas longtemps. Ah, il n'y a pas longtemps? Non. Parce que vous ne vous connaissiez pas auparavant? Non.
Je le voyais bien évidemment sur les réseaux sociaux. Ok, sur les réseaux sociaux, mais il n'y avait pas de rapport. Rapproché. D'accord. Et puis après, bon, je ne sais pas comment ça s'est fait, et puis on s'est appelé. Ok. Et puis on s'est vu. Moi, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de correct. D'accord, mais parce que bon, souvent, tu ne donnes pas ton point de vue aussi sur ses sorties, où tu trouves que tout ce qu'il dit ou tout ce qui est bon va dans le bon sens pour toi. C'est ce que je dis. Mmh. Que je dise ou pas, ça ne va rien changer. Ok. C'est-à-dire que je pense qu'il rentre un peu trop souvent dans des sujets qu'il n'a pas besoin de rentrer dedans. C'est ce que je veux savoir. Voilà. Mais c'est son droit. D'accord. Il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il veut. Ok. Que je sois d'accord ou pas, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Lui, tant qu'il est content de ce qu'il fait, tant qu'il est rassuré de ce qu'il fait, c'est l'essentiel. D'accord. Après, quelles sont les particularités de vos vidéos, contrairement à ceux des autres? Ma particularité, c'est-à-dire souvent je vois des vidéos sur les réseaux de personnes qui ont besoin d'être entendues, d'être vues. Je prends leurs vidéos, je les laisse parler, dire ce qu'ils ont à dire, et je dis juste après mon avis sur ce qui a été dit par rapport à son histoire dit. Oui. Voilà, c'est comment je fais. Juste ça. Juste vous ça. Comptez aller au-delà de ça ou un peu plus harmoniser ça? Un peu au-delà, c'est-à-dire? Au-delà de faire passer des vidéos où des personnes expliquent leurs soucis, bien sûr, puis vous donner votre avis après. Est-ce que vous allez partir un peu au-delà de ça, essayer de, comment dire ça, je mettre un peu de... Je conscientise les gens. Ouais. Je fais beaucoup de vidéos, je conscientise. Des vidéos même où j'essaie de donner de la force à des personnes qui veulent entreprendre, faire du travail dans quelque chose. Il y a des vidéos qui sont présentes, ils peuvent aller les regarder. Oui. Je suis vraiment dans la motivation du travail. Donc, alors, aujourd'hui, tu rentres dans la catégorie de coach finalement. Coach, non. C'est juste une personne positive qui veut aider les personnes à être positives. C'est comme ça qu'elles ont tout dit au début. Peut-être. Ça, c'est eux. Moi, c'est moi. Chacun est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. D'accord. Okay. Alors, Moulanger, je vais te poser une question concernant un peu le domaine dans lequel tu excelles. Qu'est-ce que tu penses de ces blogueurs qui sont sur la toile par moment, qui insultent les mamans, les parents des gens, qui ont des mots assez vulgaires et tout ça? Qu'est-ce que tu penses d'eux? Moi, personnellement, j'ai toujours été contre ces injures et ces mots vulgaires parce que je suis quelqu'un qui respecte beaucoup la maman et aussi le papa. Parce que finalement, on n'est pas ce qu'on est sans les deux. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose que je respecte. Pour moi, ma mère, c'est mon Dieu sur terre. Et Dieu qui est en haut là-bas, là, c'est le Dieu de tout le monde. Et moi, mon Dieu personnel avec qui j'ai affaire tous les jours, c'est ma mère. Donc, je suis contre tout ce qui est injure de papa et de maman. Je trouve ça rabaissant. Maintenant, ce que je vais dire, ce que je peux dire à ces personnes-là, c'est que essayez de voir comment vous allez changer cette affaire d'injure. Ce n'est pas correct. Pour vous-même déjà. Parce que demain, on va avoir des enfants, ou peut-être qu'ils ont déjà des enfants, qui vont voir leur papa ou leur maman en train d'injurier X, Y, Z en insultant les parties intimes et tout. Bien sûr. Ça ne va pas être intéressant. C'est clair. Après ça, dans le même élan, dans ce même élan, dans la foulée, tu as eu aussi un accrochage avec le général Camille Macosso concernant justement les prises de position et les avis donnés sur le net. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Non, ce n'était pas ça, en fait, le problème qu'il y a eu. Lui, il avait fait son buzz avec... la Congolaise, comment elle s'appelle déjà? Ou la Gabonaise? La Gabonaise. Créole? Créole. Voilà. Ils avaient fait un buzz, ou peut-être que Créole avait fait un buzz avec... Ils auraient eu une relation, un truc comme ça. Un enfant, tout ça. Et après, c'est passé d'un enfant à un chien. Et c'est là où j'avais dit mon avis que, en tant que pasteur, ou en tant que... Ouais, c'est de ton avis que Dieu, la question vient de là, je ne sais pas quoi. Parce que lui, on ne sait plus maintenant. On ne sait plus dans quoi il est. Tu ne dois pas accepter de rentrer dans ce genre de buzz. D'accord. Et surtout que tu as des enfants, tu as Kimi, c'est une jeune fille, hein, elle est jolie, elle fait bien son travail sur la toile. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'il arrête un peu. Mais c'est là où il m'a clashé. Ouais, parce que j'allais en venir. Parce qu'il a commencé à te clasher, il dit il va te gifler. Il dit, je l'ai attendu, hein. Ah, tu l'as attendu? Il n'est jamais venu. Et s'il t'avait giflé? Est-ce qu'il peut? Ah, ma chérie, toi, tu dis quoi même? Toi, ton MD24, là, pour moi, c'est 2030. Moi, j'ai demandé, est-ce qu'il t'avait giflé? Il ne peut jamais créer quelque chose. Attends, donc, Moulin, je ne sais pas, tu penses s'il y a un Niaga tout de suite entre toi et Camille Macosso. T'as déjà le tabac. Tu peux te placer pour moi. Moi, déjà, même, je ne vais même pas me rappeler si elle est tabacée que ce soit. Bon, on dit, supposons, vous vous croisez dans Abidjan. On sait que le général est quelqu'un qui est un peu. Il est quelqu'un de je m'en foutisse. Donc, il pourrait peut-être te croiser quelque part et te dire, mais il te tape derrière la tête. Toi, là, c'est comme ça qu'on va. Donc, on est dans un pays où on se lève et puis on a envie de frapper quelqu'un, on le frappe. Après, on a vu ce qui s'est passé à Tiesco, la scène ça, à l'aéroport, lui, hein. Tout ça. Ça, c'est lui et puis les autres, c'est pas moi. Hein. Tiesco, c'est lui. Toi, tu es le terminus de Macosso, en fait. Je ne suis pas le terminus de quelqu'un, mais personne ne peut se lever, me taper comme ça.
Est-ce que tu veux faire ça? Tu n'as pas pratiqué un peu quelque part? Enfin, tu dois compter quelque chose pour parler comme ça. J'ai appris dans ma vie à être serein. Mais c'est ta, la sérénité là. Mais d'où tu sors la sérénité? La sérénité, peut-être que tu as fait les armes martiaux. C'est mon expérience de la vie. Non, parce que c'est les armes martiaux souvent qui peuvent. Les hommes ont dit non, que tu as fait les armes. Parce que tu es un peu une tête d'un gars qui a fait les armes martiaux. Donc tu es là, tu dis non, que toi tu es un peu sérénité. Bon. Moi, j'aime pas parler. Alors, kata de karaté derrière. Moi, j'aime pas parler. Mais. Oui. Trois points de suspension. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de. Parce que je vois de très magnifiques tatouages. C'est vrai que je suis quelqu'un, j'ai la phobie des aiguilles. Mm-hmm. Mais quand je vois des têtes. Tu vas te faire un tatouage. Pardon? Je vais te faire un tatouage. Non, merci. Artificiel, là, c'est mieux. C'est donc, heureuse, hein? Très. J'ai la phobie c'est des aiguilles. J'ai la phobie des aiguilles. C'est-à-dire que moi, on me pique et puis je pleure. Donc, je ne supporte pas. Mais est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ces tatouages? Parce que j'ai un peu l'impression que ça raconte une histoire. En fait, moi, j'ai une phobie avec la mer. D'accord. C'est-à-dire, j'ai peur des requins. OK. Et donc, je me suis dit, comme j'ai peur de la mer et des requins, pourquoi ne pas faire un dessin qui me rappelle ce que j'ai peur là? Ce qui te fait peur. Voilà. L'aigle, tout ça, requin. Bon, là, il n'y a pas d'aigle. Je vois, j'ai vu. Non, là, c'est ça, je l'ai fait pour couvrir quelque chose. Mais je d'accord. Parle de ça. Je vois le requin, là. Non. Là, c'est tiré d'une série. D'accord. Là, c'est Zeus. Le dieu de la mer. Ok. Là, c'est si tu remarques, c'est des requins, un requin. Oui. Et là aussi, il y a un requin. J'ai vu une écriture. Là, c'est le nom de ma mère et mon père. Ah, d'accord. Voilà. C'est magnifique. Merci. D'accord. Donc, et le piercing aussi, mais, ça fait partie de donc, ça. Ouais, mais, c'est un ziggy, mais, il fait mais, ça. Mais franchement, si tu tatoues Dieu, le Zeus de la mer, donc c'est que tu adores Zeus, le dieu de la mer, alors? Non. Tu n'adores pas l'esprit des eaux. Écrit Zeus notre corps. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Non, par exemple, en Afrique, ici, on va dire que tu adores l'esprit des eaux, puis tu es un abidjanais. Il n'a qu'à dire. Il n'a qu'à dire que tu adores l'esprit des eaux. Il n'a qu'à dire. Mamie Wata a sorti dans ta douche. Mamie Wata, c'est ma vieille mère. Elle dit quoi? Il t'a parlé? Donc, allez, tu es bien conqué, quoi. Conquement, on a été. Je voyais aussi dans tes vidéos que tu cuisinais. Oui, il m'arrivait parfois de cuisiner, puis de poster des vidéos. Tu comptes développer cette passion-là? Non. Pourquoi? Ça, c'est juste pour faire rigoler un peu. Mais pourquoi? Parce que moi, j'en avais l'eau à la bouche, pourquoi? J'adorais. Ah, donc c'est que je vais faire une vidéo, tu vas manger quoi? Je vais faire ça pour toi. Non, les plats de chez moi, je ne sais pas si tu pourras faire. Ça, ça va le faire. C'est en haut là-bas, mon cher. Je vais chercher, puis je vais faire, juste pour mettre en tête ce que j'ai fait. Non, mais il faudra faire, et puis je goûte. Après, tu as quelqu'un qui, à chaque fois quand tu viens des plats, vient toujours goûter, qui a toujours faim. Sarah, mais ça. Sarah, elle aime son goût. Elle aime manger des Sarah. Comment s'est passée votre rencontre? Parce qu'aujourd'hui, quand je vois vos vidéos, on a l'impression de voir une telle fraternité. C'est-à-dire une telle alchimie. Vraiment une telle alchimie. C'est-à-dire que si je n'ai pas passé, je sais qu'il était maillé. Que... Sarah, c'est une fille que j'ai. Il y a quoi? Bien sûr. Quand tu tousses, ça peut bien tousser. Hein? On peut tousser. Non, on peut tousser. Sarah, c'est une petite sœur à moi. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, mais enfin, moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Quand elle était avec son ex-défunt, Marie. Mm-hmm. Et je l'avais rencontrée à son mari une fois, comme ça, de passage. Mm-hmm. Elle avait ouvert son restaurant. Oui. Oui, oui. Et c'est là où j'ai été pour faire sa rencontre. D'accord. Je lui avais dit que je venais pour dîner chez elle. Mm-hmm. J'ai été, on a dîné, on a sympathisé. Et puis, depuis ce jour-là, on se parle tout le temps sur WhatsApp. Mais sinon, au début aussi, c'était la fille de Makoso. Hein. Jusqu'à ce qu'après... Mm. Ça, c'est un problème, pardon. La fille de Vienne. Bon, après aussi, il y a eu... Bon, ça, c'est là, c'est d'entrer dedans. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas le buzz. Mais pourquoi vous ne l'invitez pas et puis c'est elle qui va venir parler pour elle-même? Ou bien vous ne l'invitez pas à lui-même, il n'a qu'à venir parler non, ici. C'est moi, vous voulez prendre... Tous les jours vous ensemble. Quand vous êtes ensemble là-bas, voilà. Tous les jours, il y a les choses que toi, tu vois, nous. Tu es son CP. Moi, je ne vois rien de... Tu as son CP, non? Moi, j'ai dit, moi, j'ai appris trois choses. Être aveugle, sourd, et puis muet. C'est-à-dire que si tu vois, par exemple, la bonne petite dans une position abondantesque, où il ne faut pas, tu fermes les yeux et puis tu ne parles pas. Je lui dis pourtant, à elle-même. Pourtant, tu sais que ce n'est pas bon. Je lui dis à elle-même. Elle sait que tu ne pas. Je ça aux gens, ah, j'ai vu. Non, mais elle sait que tu ne t'écoutes pas. Et puis elle fait une vidéo. Parce que lui, là-même, de quoi il veut se mêler. Sa vie, lui-même, il faut. Puis il veut se mêler de ma vie. Quand tu fais une vidéo, toi, tu aides quelqu'un à vouloir. Enfin, tu essaies d'aider quelqu'un à changer, à évoluer. Maintenant, si Mousso ou bien Moro, là, ne veut pas, c'est son problème. C'est ma vie, c'est mon poussin. Pourquoi vous, les gens des réseaux sociaux, là, quand des particuliers viennent vous voir, ah pardon, j'ai telle activité, est-ce que tu peux parler de ça sur tes pages, tes plateformes, pour essayer de m'envoyer un peu des clients, vous les taxez alors que les gars, même, ils luttent pour leur vie comme ça? Bon, moi, j'ai une question à poser.
sachant que d'autres, beaucoup de gens parmi nous qui font ces vidéos-là vivent de ça. S'ils doivent payer leur loyer demain, ou bien payer leur électricité demain, payer leur sous-décide demain, payer leur nourriture, s'ils ont des enfants, payer l'école, payer le carburant pour les déposer, qui va payer ça? Ces personnes-là qui sont en train de faire. Il y a toute chose, on peut s'arranger. Selon le rang social de la personne, mais vous taxez tout le monde en disant, vous pensez que les gens sont au même niveau que vous. Le travail, c'est le travail. Vous voulez faire telle chose, voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça coûte. En toute chose, il y a arrangement. Arrangement pour aller où? Il y a arrangement. Quand tu prenais taxi, pour aller à Jamé, tu disais arrangement 500, 250, tu te prenais. Maintenant, là, il n'y a plus d'arrangement. Dis, monsieur, c'est compteur. Toi, tu n'as jamais pu voir combien de bus, quoi. Voilà, c'est combien? C'est 200, 300. Tu n'as jamais pris ça. Souvent, ça n'a jamais été sur toi. Je dis avant, et puis je prenais le 11 et puis le 14 et le 0. Donc, la personne est aussi en train de passer par le même cheminement que toi. À la mairie d'Adjamé, là. C'est là-bas que je partais faire à l'école. Donc, si c'est ça, là, j'ai pris fatigué. Donc, c'est normal de pouvoir comprendre cette personne-là. Quand ça ouvrait, je m'en étais. Non, mais souvent aussi, il faut comprendre ces personnes qui viennent vous voir. Les gens sont honnêtes pour dire que j'ai pas grand-chose. Aide-moi. Voilà ce que je peux te donner. Tu dis non. Tu tasses en haut, quoi. Moi, personnellement, on me demande pas de faire ça. Mais je parle pour les autres en disant que. Bon, si on te demande de faire ça, tu prends combien? Si on me demande de faire quoi? Une publicité pour quelqu'un? Oui. Une promo, ça dépend de ce qu'il veut, ça dépend de quoi. J'ai une chanson, fais une petite pub en parlant peut-être de son produit. Une chanson, j'ai fait sur mes pages TikTok. Là. Est-ce que quelqu'un m'a pris un franc dessus? Pas la moto là. Ouais, il a fait plusieurs. Hein? Aussi, c'est moi qui ai fait que sa chanson a pris. Bon, Rocky Gordet, t'as payé combien pour faire partie de son clip? Comment? Rocky Gordet, t'as payé combien pour faire partie de son clip? C'est avec quel que j'ai eu à faire. C'est qui? C'est avec le général Colbert. D'accord, il a payé combien? Une grande salutation pour lui. Il a payé combien? De toute façon, tu as joué le rôle là, tu as joué ça à la perfection. Moi, je fais toujours toutes mes choses à la perfection. Même si on ne me paye pas, je fais à la perfection. Donc, on peut te louer pour jouer un film comme ça. Et puis, on te dit, cette scène-là, joue ça à la perfection. Tu vas jouer ça jusqu'au bout. Ah, Adama. Tu as vu la quitter dans Blogueur, chanson demain. Si demain, acteur, il ne faut pas ça t'étonner. Ça peut m'étonner, mais non, moi, voilà. C'est le rôle. Et tu as vu le rôle dans le clip. Je lui ai posé la question. J'ai dit, si on lui donne un rôle comme ça, à jouer à la perfection. Mais tu sais que souvent dans les films, là, on dit, il y a bisous, il y a embrassade jusqu'à. Donc, s'il doit jouer là, est-ce qu'il va jouer à la perfection? À la perfection même. Ah, donc. Bon, est-ce qu'il sent qu'il y a un jeu d'acteur? C'est comme ça, on dit, il faut te dire, tu as un jeu de football. Mais est-ce qu'il sent que dans le jeu d'acteur, tu t'y plais un peu trop? Ah! Mais quand tu veux jouer un jeu, il faut t'y plaire, il faut t'y plaire. Boulanger. Tu fais ça en bruit même. En plus, il plaît. Tu es marié de quelqu'un. Il dit, personne ne peut créer quelque chose. Toi, tu dis quoi? Tu fais semblant, plus qu'il y a drap sur vous, tu fais semblant. On va faire un film ensemble. Non, c'est bon. Quel genre de film? Tu veux pas? Quel genre de film? L'action? Non. On va courir, sauter ton missile là, tu vas penser à exploser là-bas. Non, mon frère, tu ne pourras pas courir. Mon cher. Non, toi, dis quelque chose. Alors, Molangeailleur, qu'est-ce que tu penses des jeunes filles aujourd'hui qui n'ont même pas encore fait d'enfants, mais qui vont faire de la chirurgie esthétique? Elles n'ont rien à faire. Pour se refaire les seins ou se refaire des formes de guêpes et tout ça. Elles n'ont rien à faire. Elle s'ennuie. Elle s'ennuie. Bon, une femme qui n'est pas mariée, qui peut-être ne travaille pas, elle s'ennuie. Non, sa vie est tellement vide. C'est un souci de distraction pour elle. Mais bien sûr. Elle veut limiter les autres. Vous voyez, par exemple, telle ou telle. Ça va donner les autres, quoi. C'est bien bombé. Tu as la même chose. Bon, est-ce que tu as la même chance que l'autre? Ou bien celles qui vont gonfler leurs lèvres, là. Ça devient vilain, on dirait. Ballon qu'on a gonflé, qu'on a percé. Vilain pour un français. Et si jamais ton épouse te disait, par exemple. Et puis elle-même, elle n'a pas chérie. Supposons que ton épouse te dit « Ah chérie, bon, ça fait un moment, j'ai un petit complexe sur le corps, là, je voudrais aller me refaire, par exemple, je sais pas, le balcon, l'arrière-train ou la bouche. » Tu dirais quoi? Elle veut faire un café. Tu vas soutenir ça. Si elle a envie de faire, si elle trouve que c'est un truc qui... Tu as bien dit une femme mariée. Oui. Qui veut changer pour plaire plus à son mari. En même temps, toi, tu l'aimes telle qu'elle est. Même si tu l'aimes telle qu'elle est, si elle, ça lui fait plaisir, tu vas pas l'interdire. Même si c'est dangereux pour elle. Mais pourquoi c'est dangereux? Ça peut l'être. On voit pas mal de personnes qui décèdent sous ça. Mais pourquoi on veut dire, allez payer les bons docteurs, chirurgiens, vous allez payer les trucs à 1000, 2000 euros, 2000 quoi là. C'est normal, ça va être dangereux. Un truc qui est bien fait chez un bon docteur spécialiste, c'est quelle dangerosité. Le cœur, aujourd'hui, on fait ça en combien de temps? Avant, là, c'était compliqué. Bien sûr. Les yeux même. Moi, je suis allé faire mes yeux. Comment tu fais pour l'intérieur? Je mettais des lunettes de vue. Ah, ok, des lunettes de vue. Donc, j'ai fait le laser. Le laser, oui. Ah, d'accord. D'accord. Ils ont travaillé. Je suis sorti en 2000. La dernière folie que tu as eu à faire, c'était quoi, quand et où? Dernière folie, sur quel plan? Sur tous les plans. C'est-à-dire? Tous les plans. Ce que tu penses là,
C'est ça aussi, je pense. Non, elle pense à rien. Ça, je te demande, c'est-à-dire. De ça, j'ai dit, là. J'ai dit la dernière folie, tu es mon ange. Jaya, donc, franchement, tu fais des trucs de fou. Non, moi, je suis très, très calme. Hein. Calme. Très calme. Toi. Est-ce que tu me vends dans le show, Abidjan? Oui, la dernière fois, même moi, j'étais vue en perruque, bien du Dieu. Elle dit, mais c'est quelle femme qui est aussi Dieu qu'une femme gourou comme ça? En perruque. Ouh. Perruque sur TikTok. Broum, oui, broum, sur TikTok, oui. Je sais que c'est un petit truc qu'il a fait pour faire buzz. Mmh. Sinon, j'ai aucun problème avec Makoso. Mmh. Tu comprends? Mmh. Donc, je ne veux pas que, à cause de ces personnes-là, nous, on que va tout le monde payer soit le indexé, prix. En fait. Ouais. Mmh. Mais avant de t'habiller en go, tout ça, tu n'as pas été dragué à un moment donné? Par non. Quelqu'un qui t'a vu et puis t'a dit, ah, la façon dont je t'ai vu déguisée comme une femme avec, ça t'allait bien, tu me plais, les trucs comme ça. Non, ça t'allait bien, il y en a qui te le disent, oui, mais tu me plais. T'ont pas dragué Non. T'es jamais fait draguer par les femmes Jamais. Si, par les femmes, si. Oui. Mais quand tu dis. Comment tu arrives à les repousser? Mais tu es un homme marié, et même, ils vont le savoir direct, ils le savent même. Non, mais il y a des filles qui sont coriaces. Et celles qui construisent maison, ces maisons-là, comment tu as fait? Elles n'ont qu'à les construire. Moi, j'ai les aidés à construire, même. Alors, récemment, Manadia Confirmé a été primé au premier, il a reçu le trophée de l'étoile montante du coupé décalé. Quel est ton avis là-dessus? On va demander à Moula, comme c'est eux qui gèrent la main, c'est pas. Hein. Ah. Il a chanté que Poulet est devenu quelqu'un. Mais son, mine de rien, son son a pris. Hein. Molo, Molo, Poulet devient quelqu'un. Tu as fait TikTok dessus aussi? Non. Pourquoi? Moi, j'ai juste dit que comme Poulet devient quelqu'un, j'allais payer des poussins, je les ai élevés à la maison. Ah. Ça veut dire qu'ils vont devenir poulet, ils vont devenir quelqu'un, je ne sais pas. Non, ça y est là. Mais on a mais vu à Sénégal aussi, il a fait une vidéo. Il dit, Monadja, voilà mon voilà le petit poussin. Il s'est assis dans la tête, ils vont devenir l'homme. Mais après, on ne t'a écoute. Pas vraiment vu parmi les nominés. Je n'ai même pas été contacté par le public. Pourquoi? Je ne sais pas. Y a-t-il un souci alors que pratiquement tous les influenceurs y étaient? Tu n'as jamais cherché à comprendre pourquoi. Pourtant, tu fais des très magnifiques vidéos et tout, qui mettent la joie au cœur de tout le monde, qui conscientisent pas mal de personnes. Dans la vie, on ne force pas. Quand c'est fait pour toi, c'est fait pour toi. Quand ce n'est pas fait pour toi, ce n'est pas fait pour toi. Quand tu dois être dans quelque chose, que tu le veuilles ou pas, tu vas être dans ça. Maintenant, si tu fais un enfant, tu fais un enfant demain. Et cet enfant te dit, lui, veut faire de sa carrière un TikToker. Tu décides quoi? Bon, déjà, pour arriver au moment où il aura l'âge de pouvoir utiliser son téléphone, bien que même TikTok est déjà terminé, on est passé à autre chose. C'est ton souhait. Donc, ta question là-même, elle n'est pas mal. C'est ton souhait. Non, mais son souhait ne va pas être avéré parce qu'on va du mal en pire. Oui. C'est ce que je dis. Que après TikTok, que même... peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive encore plus fort que ça. Mais c'est ça, j'ai dit là. Ça vient toujours plus fort, c'est ça ne vient pas plus là. Faible. Hein. C'est ça, j'ai dit. D'accord. Pour l'instant, c'est TikTok, il n'a qu'à faire. Mais le temps, il va naître, le temps, il va grandir, le temps, il va aller à l'école, il va faire ses études, tout ça là pour arriver au moment où il va faire TikTok là. On est passé à TikTok. On avait eu aussi sur la toile Observateur qui avait eu à donner ou à indexer ou à mal parler concernant Sarah Dolan, l'épouse de Didi B. Toi, quand tu vois ce genre de choses, ces influenceurs qui vont un peu trop à l'extrême dans la vie privée des gens, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que Observateur, dans ce cas-là, il a juste voulu le titiller un peu, mais le titillement qu'il a fait était mal placé. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû. Parce que tu ne sais pas quel problème cette femme en question est là pour ne pas avoir des enfants aujourd'hui. Peut-être qu'elle a un problème au niveau... On ne sait pas. Peut-être qu'elle n'a rien, qu'elle ne veut pas. C'est son choix. Encore qu'il a dit que pour ses vidéos, il a gagné quand même 700 000 euros. Non, pourquoi ça, c'est pas pour toutes ses vidéos. Il passe plus. Non, sur celle-ci, au fait. Moi, je dis le travail bien fait paye toujours. 700 000 euros, c'est ça? Oui. Non, 7 000 euros. 7 000 euros, pardon. Le travail bien fait paye toujours. Quand tu sais que tu aimes faire quelque chose, fais-le. Si tu dis devenir chanteur, tu veux devenir chanteur, il faut aller le faire. Voilà, Poutou, il avait commencé dans quoi? Il était dans les clashs, dans les injures, ou bien il était sur ça. Oui. Après, il est passé à autre chose au fur et à mesure, il a commencé à, bon, il chante. Tu seras à son concert? Oui, peut-être bien. Ça dépend du temps, mais peut-être j'y serai, pourquoi pas? C'est mon frère. Vous allez faire un featuring ensemble? Featuring, non. Pourquoi? Je pense pas, enfin je crois pas. Je sais pas. Aïe. Mieux dit, je sais pas. On n'a jamais parlé de ça, lui et moi. Attends, mais il faut qu'il nous fredonne au moins. Oui, le son. Le son, il faut nous fredonner quand même. Le ouais. Son, la canne. Laisse-nous profiter de ta voix. Un live. Chut. Là, vous êtes arrivé. Bon, juste une petite partie. Hein. Vas-y, vas-y. Pour faire plaisir. Ouais. Je chante quoi, le refrain ou bien. C'est toi qui as chanté, mais cette affaire-là. Depuis, tu as hésité là. Oui, c'est pas peut-être les tests, mais c'est pas lui qui a écrit. Non, il y a les studios, on voit les gens, ils vont là-bas, puis ils disent rien. On chante tout pour et puis vient s'arrêter pour me mettre devant nous. On peut faire ça. Ah, donc on nous dit. Bienvenue à Abidjan chez nous.
peur des lagunes. En tout cas, c'est joli, faut savoir en même temps. Si jouer devient bizarre, tu pourras faire du tourisme. Une pierre de coups, c'est pas mauvais. Un ballon, le sport qui réconcilie. Je te remercie, Madame Lacan, pour tous tes bienfaits. J'étais en palabre avec ma chérie. Dès que Kessie a marqué le but net, elle a sauté dans mes bras. Ah, c'est doux, ballon est doux. C'est doux, okay. Lacan chez nous, c'est doux, ah, c'est doux. C'est bon? Non, moi, t'es pas mal quand même. Donc, qui a fait la journée là? Un diable, mais ouais, d'une façon. Ouais, en fait, il fait un peu. Vous êtes scribble. Je t'ai dit, il manquait le yiwe à la fin. C'est la mi-yiwe. C'était fini en même temps. Non. Moi, tu es trop ivoirien. Tu n'as même pas. Pourquoi tu n'as pas fait? Tu pourrais avoir peut-être un petit. J'ai appris une mélodie, peut-être libanaise dedans, pour mettre toutes tes mélodies là, c'est ivoire. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, je voulais mettre un. Dans cette chanson-là. D'accord. Mais ça, tout a été tellement fait rapidement. D'accord. Que j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Et puis après, je vais mettre un rap dedans. Pourquoi? C'est pour la Côte d'Ivoire qui a envie de me mettre. Mola jaille. Moi, le son, je l'ai fait pas parce que le Cocan m'a payé. Oui, pas c'est parce ce qu'il dit, tu t'es appelé. La Fédération Ivoirienne de football m'a payé. C'est par amour pour mon pays que j'ai fait. Voilà. Et c'est moi qui ai misé mon lang. C'est pour ça qu'il dit, tu t'es appelé là. Voilà. Ils ne t'ont pas appelé. Ils ne m'ont pas appelé. Mais toi, mais tu t'es appelé. Alors, quel est ton. Nous allons. Notre émission tire bientôt à sa fin. Mm-hmm. Quel est ton mot de fin, ton message pour la nation, pour la CAN? Voilà, quel est ton message? Moi, tout ce que je peux dire à tous mes frères compatriotes ivoiriens, soyez sereins. Si un de nos frères fait du n'importe quoi là-bas, ne mélangez pas tout le monde dans cette sauce. Faites-lui sa sauce à lui. C'est lui le responsable de ses bêtises. Nous, on n'a rien fait pour mériter ça. Bien sûr. Et puis, je dis à mes frères libanais aussi, ils n'ont qu'à se casser un peu. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes venus, on vous a accepté, on vous a accueilli. On a toujours été accueillants. Fraternité, là, c'est chez nous, c'est sorti. Bien sûr. Donc, ils n'ont qu'à faire de sorte à ce que... Ils gèrent un peu leurs émotions là. Ils sont pas mieux que quelqu'un. Ok. Donc on est tous la même chose. C'est important. Poulet aider bien quelqu'un. Donc allons seulement. Alors Yumi, c'est le mot de fin de mot l'enjailleur. C'était vraiment un très beau un échange, tu vois. On a fait le tour des questions et tout. Ça vraiment, c'est fut un plaisir de te recevoir dans notre émission Fafa mot l'enjailleur. Ben on espère que tu reviendras pour nous voir. Je pensais que c'était un peu plus choc que ça. Oui, mais... non, c'est choc en douce. Non. Il s'est pas nagé, il s'est nagé là, je me moque de moi, pardonnez. Alors, merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis les quatre coins du monde.